Et bonjour à tous, très heureux d'enfin vous retrouver depuis le temps, après cette pause un petit peu forcée, après un magnifique event qui s'est déroulé à Rennes, pas plus tard que le 30 septembre, enfin en tout cas fin septembre, dans la parc Superplay, avec une infrastructure incroyable pour commenter du Superplay, avec plein de joueurs, hein, que ce soit AM, Dame Dame, Rechiku, Jago, Gabriel. Je les remercie tous pour ce magnifique event. Et bien, on va parler aujourd'hui de TGM, comme vous avez pu le voir, les phases qualificatives. Le 46e tournoi The Masters qui a eu lieu le 24 mars 2012 avec de très grands joueurs, parce qu'ils sont pas moins cette fois-ci, comme vous pouvez vous en apercevoir, 16. Hein, ça fait beaucoup de monde. On retrouve un petit peu les habituels. On a des gros joueurs. Hein. On a par exemple Zag. Je sais pas si vous en avez déjà parlé. C'est un gros joueur, notamment en mode Shiraz sur le troisième opus de TGM, et c'est du violent, il est S13 en 5.45, c'est dire. Et donc on va commencer par ces phases qualificatives de ce tournoi, et donc vous voyez un petit peu de qui va être composé de cette première poule. Donc commence BST, un joueur un petit peu alors inconnu, hein, pour ma part, je crois que je ne l'ai pas commenté jusqu'ici depuis que je vous présente ces tournois, et donc on va le voir débuter. On voit qu'il a un jeu très posé, il va construire tout doucement pour essayer et bien de ne pas faire d'erreurs un petit peu bêtes en ce début de partie, parce que je vous rappelle, hein, que ces matchs fonctionnent sous un système d'handicap, et que souvent, hein, il vaut mieux privilégier la sécurité en essayant d'assurer son jeu, même si votre handicap est basé sur votre meilleur temps. Bon, bah, si vous êtes plus ou moins régulier, ben vous êtes aidé, mais des fois on a vu des gens se hisser. Alors là, il a raté complètement un miss drop de son J, on a vu BST, alors qu'il vient d'être rejoint et bien par Doll, hein, le joueur qui c'est Doll. Hein. Alors, je l'ai longtemps appelé Donoré, hein, donc excusez-moi, ou excusez, je m'excuse pour lui, hein, plutôt, parce que voilà, c'est vrai que donc c'est Doll en fait. Mauvaise lecture, et merci à Nico from Tokyo qui a corrigé ça, hein, parce qu'en effet, moi, la lecture du japonais, c'est vraiment pas évident, c'est à coup de Google Trad, hein, c'est pour vous dire à peu près mon niveau. Ça y est, Gamo a rejoint aussi eh bien, les deux autres joueurs sur la deuxième borne. Voilà, il commence, il a commencé directement par un miss drop, mais qu'il a choisi de récupérer, vous voyez, par un puits à Tetris qui est légèrement décalé donc sur la troisième colonne, et alors que pour Doll, ça se passe bien, il a bien monté ses jeux, ça s'est récupéré pour BST sans trop avoir, je pense, avoir perdu de temps, ce qui est essentiel. Alors on voit que toujours Ngano a gardé en fait cette petite carie en bas de son jeu. Bon, il va construire, hein, tranquillement ses Tetris au-dessus. Hein. Je vous rappelle que le but, hein, c'est de faire un combo relativement élevé et long de Tetris. Hein. C'est ça qui va vous permettre, on va dire, d'accéder plus facilement et de monter en grade. Ça va aussi vous permettre d'aller un petit peu plus vite, hein, parce que, encore une fois, quand vous faites 4 lignes d'un coup, vous allez beaucoup plus vite, surtout cette version du jeu, que si vous faites 4 fois une ligne. Hein, voilà, parce que vous perdez énormément de temps à faire une ligne dans ce jeu, donc il vaut mieux en faire 4 plutôt qu'une, et donc faire des Tetris. Le puits à Tetris à droite, parce que c'est mieux, parce que le jeu est pensé pour faire des rotations comme ça, notamment l'utilisation de la barre seule, en fait, pièce qui va vous permettre de faire des Tetris, et on voit que d'autres joueurs sont là. Alors SL, alors c'est vrai que ça va être on voit que dans cette poule A, SKN, Escobar et SAL vont être clairement les favoris, si évidemment ils ne se foirent pas, hein, parce qu'on se rappelle, hein, du 45e tournoi où ça a été très compliqué pour tout le monde, tournoi qui a été remporté par 7-7-7, mais où il y a eu énormément de joueurs qui sont morts prématurément, et on espère que ça va pas être eux le cas. Alors je regarde Zag qui petit peu dans les hauteurs, mais bon, qui s'en sort très bien, qui récupère son puits à Tetris sans problème. Doll qui aussi assure, là il va forcément attendre une barre en centre pour pouvoir continuer, voilà, c'est chose faite, il récupère son puits à Tetris, ça va être d'autant plus simple. Pour BST, attention, alors il faudrait qu'il puisse récupérer son puits à Tetris, là qui se situe sur la gauche, qu'il est obligé de décaler, il crée un nouveau puits à Tetris sur la quatrième colonne, c'est ça, sur la droite, alors du coup ça va le faire perdre un peu de temps, alors il essaye, hein, toujours jouer les Tetris du mieux qu'il peut, mais ça va être peut-être... Ouais, si, il s'en est bien sorti, là, super, il s'en est sorti au prix de 2 pièces, là, il continue d'essayer d'assurer des placements, là, assez rapides de ce S, là, il fait descendre son J le long, ce qui n'était pas forcément évident, là, il va pouvoir faire tourner sa barre pour la faire arriver sur la gauche, et il se libère un petit peu d'espace, ou là, une rotation un petit peu en deux temps, là, hein, de son L.
Magnifique utilisation par contre. Là, on a pu le voir du thé un petit peu auparavant sur BST qui essaye hein, tant bien que mal, même s'il est parti un petit peu... Enfin, en tout cas, il a été obligé de créer un décalage. Là, il a quand même utilisé une de bête, très très belle façon son L, en remontant son L. Et là, c'était assez beau, mais ça sent la fin là. Ça commence à sentir la fin pour BST. Dommage qu'il nous quitte pas vraiment, alors que les autres joueurs, si ce n'est Doll, ouais, ça va être la fin. Je vois pas trop comment il va réussir à s'en sortir là. Oh, magnifique, ça, cette petite déplacement de la barre là, en deux temps, ouais, mais c'est la mort, c'était obligé. Voilà, forcément, c'était très compliqué. Eh bien, il ne sera pas resté longtemps, hein, puisque c'était le lièvre de cette partie, et décidément, il n'aura pas pu montrer toute sa valeur. Ça a été un petit peu difficile, peut-être un petit peu la panique aussi, hein, il joue à côté de Esken, il a commencé à se dégrader au moment où Esken est rentré en jeu. Je ne sais pas, il a secoué peut-être la borne, hein, parce qu'il faut savoir que Esken a la réputation, d'ailleurs on peut voir des vidéos de lui, hein, de lui, enfin je veux dire surtout de le voir en train de jouer et de voir ses mains en même temps qu'il joue, et on voit qu'il est un petit peu nerveux, hein, sur la borne, donc peut-être que les secousses promptues ont un petit peu dérangé BST, je ne sais pas. En tout cas, c'est assez marrant de voir que quand il entre un petit peu en jeu, que le jeu est devenu moins clair pour BST. Oulala, alors là il a déposé, ouais, Marc, il était obligé de faire ça avec son thé. Là je suis sur l'écran de Esken où ça devient aussi un peu tendu là. Alors, c'est bon, il récupère bien ça, ouais. Alors par contre là, du coup, la barre, il va pouvoir gérer ça parce qu'elle est arrivée pas au bon moment, il ne peut pas l'utiliser. Donc là, il est obligé de faire descendre encore une barre qu'il est obligé un petit peu de gaspiller, mais pour conserver son jeu. Ah, c'est bon, il va respirer, ça y est, maintenant ça va aller mieux. Doll s'en sort très bien. Je vais remonter un petit peu voir ce qu'il fait. Donc lui, il est rendu au début du niveau 400, ça va être celui qui est le plus en amont maintenant, hein, puisque tous les autres, puisque BST est mort, tout simplement, hein, il s'est étouffé dans son vomi, et donc c'est Doll, hein, qu'il va falloir essayer de suivre maintenant, parce que c'est le premier, a priori, en tout cas c'est celui qui est le mieux lancé, à cause de l'avantage de l'handicap. Allez, je vais un petit peu voir ce qui se passe du côté des figures de proue, là, donc c'est-à-dire Esken, SAL et Square. Alors on voit que du côté d'Esken, un jeu qui est pas très propre, hein, monsieur Esken, il faudrait aller un petit peu aller vous laver, parce que là c'est pas tip top. Je sais pas trop ce qui s'est passé, mais beaucoup de carry. Il y a un puits à Tetris, on voit, il y a des trous partout, hein, voilà, c'est un vrai gruyère son jeu. Là il y a un puits à Tetris qui est donc légèrement décalé sur la droite. Alors là, du coup, il va perdre énormément de temps à essayer de récupérer tout ça, hein. Pour le moment, rien de dramatique, mais on perd du temps du côté de SKN, ce qui n'est pas le cas du côté de SAL à mon avis, et d'SQR. Ils sont, alors beaucoup sont S3, ils sont rendus dans quoi, dans les 4 minutes, ouais, 4:35. Voilà, par contre, du côté de SAL, là, une erreur qui va lui coûter, à mon avis, beaucoup de temps, et voire même le match. Et pour Esken aussi, qui lutte déjà depuis quelques secondes. Voilà, c'est terminé. Bah, pour la borne 3, elle ne porte pas chance, puisque c'est terminé. Hein, BST Esken, au revoir. Donc, ça va laisser un petit peu plus de place, hein, pour permettre aux joueurs qui ont le plus d'handicap à résorber, c'est-à-dire SAL et Square, d'avoir un peu plus le champ libre. Je vais aller voir un petit peu ce que fait Hiyoko. Alors Hiyoko, c'est le premier joueur sur la borne 4, c'est-à-dire celui qui se trouve à côté d'SQR. Hiyoko, qu'on avait déjà vu, hein, on l'avait déjà vu dans un autre tournoi, un petit peu plus en amont. Et pour le moment, rien à signaler, hein. Je vais aller voir un petit peu plus ailleurs ce qui se passe. Gano, c'est pas non plus le joueur sécurité sociale, hein. Enfin c'est plutôt du côté du trou de la sécurité sociale, mais des fois, hein, s'il essaye de jouer de façon prudente, eh bien il arrive à passer quelques tours, hein. Parce que donc je vous rappelle que là, les 4 premiers vont sortir de chaque poule, hein, de ces poules de 8. Ensuite, donc ceux qui auront perdu vont être repêchés dans un premier tour, et ensuite on verra donc dans ces phases qualificatives le début du deuxième tour, enfin en tout cas le deuxième, ce que j'appelle la deuxième tour, où s'affrontent les meilleurs de poule avant le deuxième repêchage, hein, et avant l'ennemi et la finale. Voilà, comme ça que ça se passe, vous savez, vous êtes un petit peu habitué à ce format. Alors donc il se passe plus rien sur la borne 3. Alors du côté de SAL, eh ben, c'est pas très beau non plus. Alors oui, là, oh là là, c'est la fin, là. C'est la fin, parce qu'il a complètement bouché avec la barre tout moyen pour remonter. Il est en train de lutter là. Il a juste un petit peu une narine en dehors de l'eau. Non, c'est trop tard. Là c'est fini. Et ben SAL aussi. Et ben décidément. Alors voilà, des 3 ténors qu'on attendait un petit peu. Et bien alors
ténor entre guillemets, hein, des fois pour SAL c'est un petit peu plus compliqué, et bien il ne reste plus qu'SQR qui a juste à mon avis à assurer. Alors il est rendu à combien? Il est rendu au level 600, vous voyez, donc il a 75 levels de doll, c'est complètement jouable. On voit que Zag est en train de repasser, hein, au passage, vous voyez, il est passé devant, hein. D'ailleurs, je ne l'ai pas vu, il fait pas parler trop de lui là. C'est vrai que c'est celui peut-être qui a le jeu le plus propre là qu'on peut voir à l'écran. Et parce que vous voyez, Gannoho lutte un petit peu là, il a toujours un petit peu de mal. Hein. Lui, quand il arrive dans les 20G, je vous rappelle, hein, que quand vous arrivez au level 500, à partir du level 500, bah, la vitesse est fixe dans cette version de TGM. Et donc, vous n'avez plus d'accélération à subir. Oh là là, je ne sais pas ce qu'il a fait là avec son L ou ce qu'il a voulu faire, Gannoho, mais en tout cas, ça m'a pas l'air bien voulu au début. Et il a essayé, je sais pas ce qu'il a voulu faire, je pense qu'il a voulu le mettre à plat et puis il a inputé un coup de trop, et ce qui fait qu'il est passé sur la tête, hein, son L, ouais, il a mis la tête à l'envers, et c'est un petit peu dommage, hein, du coup qu'il était déjà pas bien avantagé, qu'il avait des choses à essayer de récupérer, et bah pour Zag, ça se passe plutôt bien. Alors je sais pas si Zag est dans le zig, hein, il fait des jeux de merde, hein, ça vous manquait aussi. Oh là là, ça devient aussi un peu critique pour Doll. Je vois pas trop comment il va pouvoir faire là. Parce qu'il pourra pas faire tourner de barre, c'est fini. Parce qu'il pourra pas faire tourner quoi que ce soit de toute façon avec cette hauteur. En plus, voilà, il était vraiment. Je veux dire, il avait vraiment bouché en plus au milieu. Alors ce qui veut dire que là où spawn les pièces, bah, il avait pas beaucoup de marge de manœuvre. Donc ça semblait mission impossible. Alors, qui c'est qui est un petit peu. Enfin, qui c'est qui est. C'est pas un petit peu qui c'est qui est en tête maintenant. Bah, de toute façon, on a les 4 qualifiés, hein, quoi qu'il en soit. Puisque même s'ils n'arrivent pas grand maître, vu qu'ils sont plus que 4, bah, ça sera eux 4 qui vont passer le tour et que nous reverrons donc dans le fameux deuxième tour. Et a priori, bah, c'est Zag, hein, qui devrait s'en sortir. Puisque SQR n'est qu'à. Alors j'arrive pas à voir. Hein. Alors SQR il est combien? Il est à 900 ou il est à 800 là? J'ai même pas le chiffre du dessous, hein, tellement que ça bug. Hein. C'est n'importe quoi. Il est peut-être bien à 900. Ça m'étonnerait. Ah si, il peut être à 830. J'ai pas suivi sa progression. Mais en tout cas, ça semble. Alors là, c'est pas au moment qui. Par contre, qui relâche la pression, Zag, parce que là, on voit un petit peu son jeu qui s'étiole. Non, ça y est. Il essaye de faire un petit peu ce qu'il peut. On marque du côté de SQR. C'est pas mieux. C'est la mort de Gannoho aussi. Décidément. Eh ben, c'est pas très très brillant qui t'a rendu à 800. Alors je sais pas du tout à combien il y a SQR. Il a commencé à quoi? 2,29. Ouais, non, c'est ça. Il doit être à 870. Voilà. Je pense que ça peut pas être mieux. Donc, normalement. Oui, parce que, pardon, il était à 920. Il était à 820, pardon, tout à l'heure. Hein, quand j'ai regardé, j'ai dû dire 920. J'ai dit une grosse bêtise. Voilà. Donc, il y a quoi? Il y a quasiment 50 000. Gars, c'est la mort d'SQR aussi. Hein, non, mais c'est encore une fois un peu dans n'importe quoi. Alors, est-ce que c'est le fait qu'il soit forcément qualifié, hein? À défaut, ces 4 joueurs, on les retrouvera. Hein. Donc, je ne sais pas, mais en tout cas, ça commence moyennement. Alors, c'est le premier tour, je sais pas. On était au mois de mars, là. Et peut-être un peu frisqué au Japon. Hein. Pourtant, non, ça doit être tranquille, je sais pas. Enfin, c'est assez bizarre. Mais, eh bien, c'est peut-être Zag, hein, qui va sortir son épingle du jeu. Lui qui officie plutôt sur des versions rapides et donc qui est vraiment un joueur qui va être, on va dire, voilà, il est grand maître tranquillement, donc il est plutôt un joueur véloce. Voilà, il lâche un petit peu le stick, il a pas envie d'aller plus loin, pas le temps de staff roll. Voilà, son petit GM en 10 minutes, très bien, parfait. Et GM aussi pour Iyoko en 10-43, mais ils auront quand même fait honneur. Et en tout cas, eh bien, nous aurons quand même les 4 qualifiés qui seront Zag, Eskua, Hiyoko et Gannoho pour le deuxième tour, alors que nous allons passer à la poule B. Alors qu'on est en train un petit peu de regarder, voilà, la poule B qui arrive, on regarde un petit peu, en train de finir tranquillement son staff roll du côté enfin, même qu'il n'y a pas vraiment de staff roll, c'est-à-dire jouer pendant le staff, parce que c'est pas, bon, c'est un petit peu spécial, hein. Mais c'est pas comme dans les autres versions, c'est pas comme dans la version 2 et 3 de TGM. Alors, dans cette poule, nous avons Nico from Tokyo, notre français, bien sûr, 777 qu'on ne présente plus, Yako aussi, hein, son grand rival, les deux hommes à être passés sous les 9 minutes, je le rappelle, Korian aussi, énorme joueur, Kan, hein, Kan, c'est un gros joueur sur TGM 3 aussi, hein. Vraiment gros joueur, il est Master M en fait, hein, sur TGM 3, en un tout petit peu plus de 5 minutes, donc c'est vous dire un petit peu le niveau de ce joueur,
qui est relativement élevé. Il ne fait pas partie hein, des 5 joueurs à être grand maître, c'est-à-dire tout mode confondu sur TGM3, mais c'est un gros gros joueur Khan, et c'est certainement un honneur et un plaisir hein, de le voir un petit peu œuvrer sur le premier TGM qu'il a dû lui aussi hein, certainement écumer et commencer. Hein. C'est vrai que quand vous jouez à TGM et que vous voulez vous y mettre, il est bien de faire la série dans l'ordre, c'est-à-dire commencer par le 1 et puis ensuite passer au 2 parce que voilà, vous allez en fait avoir une progression dans la vitesse et dans la difficulté, ce qui rendra moins surmontable en fait la courbe de progression très lente et très très raide que vous allez arpenter si vous attaquez directement par exemple à TGM 3, hein, ce qu'il faut surtout pas faire comme ou par exemple comme un commentateur hein, qui parle des tournois de Master et puis qui a commencé par TGM 2, hein, voilà, faut pas tout à fait faire ça. Hein. Bon, encore TGM 2, c'est pas, enfin c'est quand même violent, mais disons que voilà, faut. Ou alors, il faut être quelqu'un de très patient et se dire que bah, ça prendra beaucoup de temps. Bon, alors, on a voit Nico tranquillement en train de construire. Voilà, doucement. Bon, il est obligé un petit peu de casser son jeu, hein, ce qui fait qu'il va perdre un peu de temps. Mais bon, voulez-vous, là, il a un petit peu accéléré vers sa vitesse de dépose. Là, on a vu ça au passage. Là, il y a 2-3 pièces qu'il a déposées un petit peu plus vite. Là aussi, on l'a vu avec ce T et ce O auparavant qu'il avait tout simplement droppé hein, un petit peu plus vite. Je vous rappelle que dans ce jeu, vous n'avez pas de hard drop, hein, c'est-à-dire un moyen de faire descendre plus vite votre Tetraminos que la vitesse de chute l'impose. Vous pouvez faire descendre légèrement les pièces, en tout cas légèrement plus vite en faisant bas et surtout parce que quand elles vont atterrir, ça va les loquer immédiatement et je vous rappelle que ça rentre en compte dans votre score et donc dans l'obtention de vos grades. Donc cette petite pensée, oula, grosse erreur direct de Num là qui a déposé, mais alors n'importe comment, hein, je sais pas ce qu'il a fait, n'importe quoi là, ouais je sais pas, il a tout foutu à côté là, un problème, hein, je sais pas du tout ce qui lui est arrivé, alors bon c'est pas grave, il va continuer au-dessus, alors là aussi il a déposé mais n'importe un peu comme il a pu, c'est assez marrant ça, comme il vraiment ouais comme ça, comme si on avait rien à faire, tiens je vais déposer un petit peu ce L là au plus milieu de mon jeu, ça fera un trou, c'est sympa. Un débarrage un peu bizarre. Alors You, je ne connaissais pas ce joueur non plus. Un des petits nouveaux entre Zag et j'ai pas trouvé. Alors je sais pas si c'est un joueur qui joue à d'autres formations. J'ai pas énormément cherché, mais autant il y a certains joueurs, par exemple comme Zag, j'avais vu passer leur nom. You, bon peut-être que c'est un joueur sur d'autres versions. Je peux pas vous le certifier, mais en tout cas on le voit pour la première fois ici. Enfin ici. Depuis que je commande plutôt, parce que si ça se trouve il avait peut-être fait des tournois antérieurs. Plaisir d'accueillir un nouveau joueur, hein, ce qui fait qu'ils sont toujours plus à jouer. Bonko, on ne présente plus. Atalo, non plus. Puis Corian, on ne présente plus non plus. Tant ce joueur a gagné d'ailleurs des tournois The Masters, tant il est fort dans cette version du jeu. Faut savoir que Corian hein, aussi, alors je ne le dis pas, mais il joue à TGM 3, hein, bien évidemment. Il est Master K à TGM 3. Donc voilà, c'est pas n'importe quoi hein, quand même. Voilà. Master K, c'est en fait, oui, c'est pour ceux qui ne sont pas habitués à l'appellation. Donc en fait, dans TGM 3, vous avez les rangs masters qui sont différenciés, qui vont de M1 à M9. Et ensuite, en fait, le premier qui passe avec des lettres, je ne sais pas comment vous dire, parce qu'il y a encore une dernière distinction, il y a des masters avec des lettres, bah justement, c'est K. D'accord ? C'est K, V, O et M. Donc, master M étant le grade master juste avant grand maître, sachant que je vous rappelle que dans TGM 3, pour être grand maître, il faut avoir le fameux examen promotionnel, hein. Promotional exam. Il n'y a qu'à ce moment, il faut jouer sur une borne loguée, ainsi de suite. Enfin, c'est relativement compliqué d'être grand maître. Et puis donc, il faut avoir été très régulier pour qu'on vous propose à un certain moment cet examen. Et il ne faut pas le foirer, hein, parce que sinon, il ne va pas revenir tout de suite. Donc, ça fait beaucoup de choses. Allez, on va regarder un petit peu ce qui se passe, Nico, un petit peu hein, dans les hauteurs. Ça va être pas forcément gagné tout de suite, hein, parce que s'il est déjà si haut, là, il est déjà lutté. Je ne vois pas comment c'est compliqué. Hein, il pourra faire tourner, là. C'est foutu, c'est à mon avis la mort, voilà, c'est voilà un petit décès suivi de mort, et c'est terminé pour Nico from Tokyo, il nous habitue à mieux hein, quand même, hein. Il aurait pu tenir un petit peu plus longtemps, 5 minutes hein, quand même, alors, qu'est-ce qui se passe, un petit coup de mou là, pour les autres hommes, ça a l'air de bien se passer, voilà,
Par contre, là, étrange, là, ce qu'a fait Khan avec, avec son. Je pense complètement une erreur là, de dépose. Je sais pas ce qu'il a fait avec son Z. Il l'a posé tête en l'air. Alors qu'il aurait pu le poser à plat. Il a pas voulu peut-être casser son combo à Tetris. Mais vu qu'il l'a cassé après, je vois pas trop ce qui s'est passé. Je pense là, une erreur. Oula, là aussi, assez bizarre là, avec ce qu'il a fait avec. Avec le L. Ouais. C'est étonnant. Là, une pose immédiate comme ça en sommet. Alors, est-ce qu'il a voulu aplatir sa construction pour pouvoir faire coulisser les pièces? Peut-être, mais c'est assez étrange quand même. Hein. Là, je suis en train de suivre son jeu alors que l'autre, il n'y a pas grand chose à signaler. Magnifique construction du côté 777 qui monte bien plus ça va plus vers la gauche. Bon, lui, c'est vrai qu'il vient de commencer à peine sous 2 minutes. Ah, ça, il a quand même récupéré un petit jeu, un petit fond de jeu. La canne, ça va aller beaucoup mieux. Et j'ai eu du mal à comprendre ce qu'il a fait dans un premier temps. Là, je sais pas si c'était des erreurs ou c'était voulu, mais assez étrange. Tout de même, c'est vrai que je sais pas s'il joue beaucoup à TGMA encore. Hein. Et pour un joueur qui joue très certainement énormément à TGM3, peut-être que la disparition du hold, le fait de ne pas voir 3 pièces à l'avance, mais uniquement une seule pièce, doit déranger. Hein. Et puis le jeu se veut quand même beaucoup plus raide, une distribution sadique. Et donc, c'est vrai que ça doit un petit peu surprendre. Et peut-être que certains réflexes que vous avez sur, sur les autres versions, hein, notamment des facilités de rotation, mais il faut vite les oublier parce que vous allez, ça va vous coûter très cher. Allez, je vais rien faire un petit point pour savoir qui est donc en tête. Bah, pour le moment, c'est du coup, c'est Atalo. Si je dis pas. Non, pardon, c'est You, forcément. You, non, ça doit être. Pourquoi c'est pas. Oui, d'ailleurs, c'est étonnant. Il a dû prendre du retard parce que. Ah non, 2-17. Il a commencé avant. Voilà, ça se joue entre You et Num. Excusez-moi un petit peu. C'est que j'ai du mal à avoir toujours un problème de niveau là pour se rendre compte. Alors, il y a une espèce de flocon de neige là. Grossi, je ne sais pas combien de fois. En arrière-plan. Et ça doit indiquer quand même qu'ils sont, là du, qu'ils sont vers le 500. Vers le 400, pardon. Et donc, c'est eux deux qui sont un petit peu en tête. Et ça doit pas se jouer à grand-chose. J'ai l'impression 475. Donc, ça doit être You qui doit être en tête. En plus, bon, les deux n'ont pas une construction qui met, ont pas une construction hors de tout reproche. Hein, parce qu'il y aurait de quoi dire. C'est vrai qu'avec ce qu'il y a derrière, ça va, il va falloir tenir. Alors que quand on voit ce qui peut arriver, alors qu'en plus la You a fait une petite erreur, bon, ça, il a pu vite récupérer ça pour faire descendre un petit peu son jeu parce que quand on voit la propreté de la construction de la 777 magnifique, bon, Khan c'est pas ça, ce qu'il a fait avec le L, je sais pas si vous avez vu ce que Khan a fait avec le L, comment il arrive à faire quasiment l'impression que la pièce rebondit quand il l'a en main, relativement incroyable ce qu'il a fait là, c'est pas possible de voir ça quoi. Je sais pas comment il a fait là, quelle manip. Ça a été très vite en fait. Il a fait des rotations, si vous voulez, un coup droit de gauche là, et sans loquer sa pièce de façon très très rapide et en évitant que la pièce se bloque dans les interstices. Ah, magnifique, hein, ça. Voilà, si vous l'avez pas vu, hein, je vous invite à remonter un petit peu en amont de la vidéo parce que c'était vraiment vraiment superbe. Donc, sur l'écran de Khan qui est donc le deuxième player de la borne 1. Allez, alors que You, alors je sais pas, il tente une construction, je sais pas, digne de quelqu'un qui recherche un gaz de schiste, là je ne comprends pas. Non, ça y est, il a récupéré un puits à Tetris central, ce qui va lui permettre de progresser et surtout de continuer à faire quelques Tetris pour le bien de son grade et essayer de maintenir un petit peu son avance. Alors que on voit hein, qu'ils sont ces deux hommes là, You et Noom, sont au level 600 et que derrière bah, ça commence à talonner parce qu'il y a trois hommes qui sont autour des 500, un tout petit peu plus, et Khan, Ko et 777 hein, qui font pas parler d'eux, et Korian aussi qui est à 550. Donc là les hommes sont lancés hein. Alors savoir que pour You et Noom hein, c'est complètement jouable hein, de passer le deuxième tour hein. Voilà, c'est toujours ça un petit peu la chance au début de tomber dans une poule comme ça, et quand on est vraiment moins rapide que les ténors de la salle, que les Usain Bolt hein, de la salle, je sais pas, que les avions de chasse quoi, comme j'ai l'habitude de dire. Parce que eux, il faut qu'ils assurent à peu près autour de leur meilleur temps. Donc ça leur demande d'être au taquet tout le temps, hein, de parer avec une demi-molle. Mais ça peut être des fois difficile parce qu'on peut rater, hein, comme tout le monde. Voilà, on ne réussit pas tout le temps à être grand maître. Hein. Ces joueurs sont très très forts. Je pense que des fois, et on l'a déjà vu, ils font des erreurs. Alors, Ataro, là, qui est dans les hauteurs, là, qui commence un petit peu à m'inquiéter parce que je ne vois pas trop ce qu'il va pouvoir commencer à faire. Ah, s'il a un petit peu aidé par la distance.
Strib. Ah, s'il va pouvoir récupérer la carie par carie, il va pouvoir, tel un chirurgien dentiste, un petit peu améliorer tout ça, l'état de la plaque dentaire, parce que ça ne va pas du tout. Je sais pas, là, oui, ça y est, c'est bon. Voilà, ça ne va pas le faire respirer longtemps. Ah, s'il a utilisé une bonne rotation de son L, la très bonne utilisation, ça. Il a bien vu qu'il pouvait l'insérer, là, son L, et ça lui a fait grandement du bien. Il va pouvoir un petit peu respirer quelques secondes supplémentaires, mais ce qui permet un petit peu aux autres, certainement, de passer. On voit qu'ils sont déjà maintenant rendus dans les 660. Alors, c'est 760 pour nous, 700, pratiquement 800 pour You. Donc, ça veut dire qu'il ne reste plus que 200 levels pour les autres hommes qui sont déjà quasi rendus autour du level 700, même 724 hein, pour Corian qui joue vraiment, vraiment très, très vite et très, très bien. Même si là, il va être obligé d'attendre une barre. Ouais, donc, du coup, ça lui a fait commettre une légère erreur, mais c'est pas très grave. Enfin, une légère erreur, il a été obligé de créer un trou dans son jeu. Là, c'est pas une erreur de dépose, hein, c'est vraiment qu'il n'a pas eu le choix vu la séquence de pièces qu'il a eu. Et bien, faire mieux alors que pour Khan, là, enfin, qui récupère quelque chose pour pouvoir passer un petit peu des pièces sur la droite. Hein. Ouh là là, ce qu'il nous fait, là, Khan. Mais... Alors là, il est vraiment en représentation aussi. Il a essayé de s'en sortir, je sais pas comment. Ah, ça va être. Ouais, là, ça va pouvoir mettre ça, ouais, faire glisser le long un petit peu de son jeu. Allez, il va un petit peu récupérer. Là, maintenant, il va attaquer par le haut. Voilà, ça va aller mieux. Hop, ouais, si, ah, superbe, superbe. Il a encore récupéré ça. Et, vraiment, relativement incroyable. Et Ataro qui lutte à côté, hein, qui est sur la en dedans, payeur 1, lui ça se passe moins bien, c'est moins artistique, c'est moins visuel comparé à Ken qui fait je sais pas quoi à côté, c'est qui fait de l'art, il fait du schéma, lui là on a rien à faire, il fait des défis en fait, il dit voilà, je vais dessiner une forme, hein. Oh bah tiens, je m'ennuie un petit peu, j'essaie de faire, je sais pas, aucune idée, tout ce qui lui passe par la tête, qu'est-ce que je pourrais dessiner comme forme, ouais, je vais faire représenter Tokyo tiens, en Tetris, je sais pas, je m'ennuie un petit peu, bah, voilà, vraiment, c'est, alors il attendait la barre, elle est pas venue, donc du coup il est obligé un petit peu de combler son jeu en attendant. Ah, c'est toujours ça la distrib hein, qui est impitoyable dans cette version. Vous attendez la barre, elle arrive juste jamais. On est en train de mourir, taper du pied, rien n'y fait. Et donc là, du coup, il a décalé une sorte de piatétrice complètement à la gauche. Il fait des, ouais, il fait des choses vraiment étranges. C'est vraiment, je vois des choix de pièces. Il décide de mettre certaines pièces de façon assez ouais, une construction. Voilà, magnifique utilisation du T pour le passer complètement à gauche. C'était vraiment magnifique, je regarde un petit peu où en sont les autres joueurs, parce que Yayu qui a quasi fini, là, qui va être grand maître, ça y est, c'est bientôt fait, c'est pas fait, elle va pas mourir, pour le moment, oulala, il me fait peur, en plus au moment où je dis ça, il place un carré comme il peut, enfin, en même temps, c'est pas très très grave, hein, c'est pour faire glisser ses pièces, voilà, grand maître, superbe, Yu, voilà, qui s'en est bien sorti, depuis qu'il a pris l'avantage et la mort de Nico, il aura jamais lâché le stick, ce qui lui permet bien d'avoir une très bonne position. Allez, on va voir si Noom arrive à faire quelque chose, allez, ça va être serré, hein, mine de rien, le final va être relativement intéressant, et Noom qui fait durer le plaisir, il va pas mourir quand même, ah, quand même, il nous a fait peur. Oh là, c'est n'importe quoi. Et Noom, grand mec, donc il est qualifié aussi pour le deuxième tour. Donc Noom, allez, après ça devrait être Corian, donc, puisque c'est le joueur qui l'a rendu, ça va être pour la dernière place que ça va être excellent de voir un petit peu la lutte finale. Allez, voilà, grand mec pour Corian, mais non, on va regarder un petit peu ce qui se passe. Alors, ça va être donc, ah non, ça va être Co, il est trop en avant. Ah non, je vois pas combien est 7-7-7, non, ça va jouer entre 7-7-7 et Co, à rien. Ah, c'est Co, ah, oulala, ça s'est joué vraiment à rien, donc je pense que c'est Co qui est passé, mais alors dans un mouchoir de poche, hein, mais alors vraiment relativement incroyable ce qui s'est passé là, c'était vraiment de justesse. Je pense que j'arrive pas à savoir si c'est 7-7-7 qui est passé ou bien notre ami Co. Non, c'est Co hein, qui est passé. Non, c'est Co. Hein. Je suis en train de revérifier. Mais moi, j'avais vu Co. C'est a priori ça, alors qu'on voit les autres joueurs. Akane qui finira quand même grand maître avec au prix hein, d'une construction très artistique. Hein. On aura vraiment vu des choses assez incroyables de ce côté-là. Allez, donc là, si je dis pas de bêtises, donc repêchage, hein, repêchage voilà, de ceux qui n'ont pas été qualifiés, voilà, c'est pour ça qu'on retrouve Khan, on retrouve Doll, on retrouve Nico, hein, qui est mort prématurément, on trouve du coup 777 qui est passé à la trappe de justesse, hein, donc une deuxième place, ça tient étrange, là, ce choix de Nico de placer la barre à la verticale, je comprends pas trop, hein, en général on la pose à plat, enfin, je sais pas, moi je fais comme ça, bon, peut-être une idée...
On essaie de remplir le plus possible en fait, hein, parce que l'idée c'est de faire monter au début le plus possible son stack, sa construction, donc c'est assez étrange, hein. Enfin bon, peu importe. Ce qui fait que du coup il va être obligé déjà un petit peu de casser en faisant quelques lignes et de perdre un petit peu de temps, ce qui peut être bon. Lui, c'est vrai qu'il a pas d'handicap à remonter, donc au final, j'allais dire ce qui peut être un peu embêtant, non, parce que lui, il faudrait surtout qu'il assure. Vous voyez, c'est plus ça qu'il a à faire. Hein. Quand vous commencez en bas, voilà, faut pas essayer de commencer trop vite. Faut vraiment, à mon avis, prendre son temps pour vraiment. Assurer, essayer d'aller le plus loin possible, parce que la pression, c'est les autres, hein, qui l'ont, c'est pas vous. Donc voilà, c'est vraiment ça qu'il faut penser. Il va donc être rejoint, ça va être par BST, hein, qui se trouve donc en player 1 sur la borne 4, donc à droite. Hein, vous voyez, donc sur l'écran, le quatrième écran, donc à droite, en bas, tranquillement à droite. Et on le voit commencer, voilà, donc lui il choisit un petit peu de remplir, là il décale son haut pour pouvoir placer la pièce d'après qui était un J. Voilà, et on va essayer comme ça de monter gentiment en essayant de ne pas avoir trop de soucis en ayant besoin de venir supprimer une ligne qui pourrait nous ralentir, et surtout parce qu'on est obligé de le faire. Voilà, par exemple là, qu'est-ce que je fais avec cette pièce là, bah, je sais pas trop, on l'a bien vu, hein, ça a bloqué, qu'est-ce que je fais, je me la mets où, on n'a pas pu faire grand chose, donc il va essayer, voilà, de récupérer. Bon, ça leur fait perdre un peu de temps, mais encore une fois, quand vous commencez premier, c'est vraiment pas un impératif. Par contre, pour les joueurs qui comme Esken 777 ont commencé plus tard, et Khan qui ont un handicap de 4 minutes, donc Khan un petit peu moins, 3,43. Mais alors 4 minutes pour Esken, 4,19 pour 777, ça va commencer à causer là. Vraiment, ça va être d'une assez grande violence, parce que il va pas falloir rater la moindre chose, parce que sinon vous pourrez pas prétendre à quoi que ce soit, hein. C'est-à-dire que du coup ça va pas être facile. Alors, je vais regarder un petit peu les jeux. Ah, c'est pas ABST, ouais, bon, bah ça se fait, hein. Là, c'est le début de partie, c'est tranquille, hein, comme toujours. Petit miss drop ou petite carry créée, je sais pas si c'est dû à miss drop ou si c'est dû à une obligation de poser une pièce un petit peu où je peux, parce que j'avais pas prévu qu'elle arrive. Là, voilà, il va être. Il va essayer de rattraper ça, je pense, le plus tôt possible. Parce que ça. Ouais, ça y est, voilà, il va pouvoir mettre le i ici. Et essayer un petit peu de récupérer son pieu à Tetris qui se situe complètement à droite. Voilà, il y a aussi une petite chose à rattraper du côté de BST là, mais bon, ça va encore relativement lentement. Quoique, faudrait pas trop que la. Ouais, donc là, il choisit bien de mettre la barre complètement. Ouh, ça va être compliqué ça, parce que je sais pas comment il va réussir à faire tourner quoi que ce soit. Oh là 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 là, il y a eu un mauvais choix parce que je voyais pas. Non, c'est fini parce que déjà, je voyais pas trop comment il allait faire une fois qu'il a mis la barre de l'autre côté. Parce que après la pièce qui est arrivée, il a été obligé de créer une cuvette, ce qui fait que c'est super mauvais parce que vous pouvez plus rien faire, hein. Quand vous êtes avec une cuvette, les pièces vont forcément arriver au milieu, et du coup, comme les hauteurs sont déjà occupées sur les côtés, faut aller très très vite pour placer les pièces. Alors des fois, au prix d'une rotation un petit peu osée, vous arrivez à les mettre sur les côtés, mais au final c'est d'approfondir, en tout cas d'augmenter la profondeur de la cuvette, et c'est ça vous aide pas, hein. Et c'est ce qui s'est passé là, et mort très très prématuré de BST, dommage, qu'on me reverra sans doute pas, hein. Au revoir, merci d'être venu, vous avez joué à peu près l'espace de 30 minutes, même pas, je sais pas combien de temps il a joué lui, c'est à dire qu'il a plus attendu que jouer à la borne, hein. il peut aller faire du free play à côté, hein. Je rappelle que cette salle accueille aussi, je crois, des Kentak Tournament, enfin il y a du jeu de combat, je sais pas exactement, je me souviens plus exactement des jeux qu'il y a dans la salle Kodaira. Et j'en profite, hein, d'ailleurs, en parlant de cette salle, toujours, hein, je remercie bien évidemment le travail de la personne, alors dont le channel YouTube s'appelle Pierre21Kodaira, qui fait toujours ce travail magnifique, qui upload très très vite, hein, les vidéos des tournois, c'est-à-dire quelques heures après. Hein, alors qu'il les édite, il fait son édition complètement sur YouTube en plus. Hein, alors je sais pas si ça va si vite que ça, moi je trouve que c'est pas super. L'édition sur YouTube, lui apparemment il aime bien. Et du coup, c'est bien quand vous voulez rajouter des liens, ça c'est vraiment sympa. Mais il
va relativement vite, hein, et c'est toujours appréciable. En plus, maintenant, tous les tournois sont streamés, plus ou moins, avec un stream en pas trop mauvaise qualité, et on voit des choses, en plus, les joueurs qui font à côté des petits défis, qui jouent à une main, qui jouent avec les pieds, enfin bref, qui jouent les yeux fermés, un petit peu n'importe quoi, et non, c'est vrai que c'est très très sympa cette animation, comme ça, une fois par mois, à la Psycho Daera, toujours, en règle générale, à passer le 20. Ça se passe toujours comme ça. D'ailleurs, je sais plus, j'avais vu passer la date du prochain tournoi de la salle. Qui est, je sais plus, j'ai vu passer, qui sera donc le 53e, voilà, oui, c'est ça, et qui aura lieu le 20 octobre 2012, déjà le 53e, vous imaginez combien j'en ai de retard, j'en ai déjà au moins 6, il va vraiment que je me sorte le stick, parce que c'est, ou le Tetraminos, là, parce que c'est vraiment compliqué d'essayer, avec toutes ces interruptions et tout, d'essayer de rattraper le retard comme je l'avais promis. Moi, peut-être que je me mettrai à faire, ça sera le seul moyen, de faire plusieurs vidéos par semaine du Tetris, étant donné que je sais que elles sont de toute façon moins suivies, que c'est vraiment un plaisir personnel de faire du Tetris, et donc de toute façon je sors les vidéos quand je veux et je fais ce que je veux, donc c'est vrai que peut-être sortir plus de vidéos, mais vous inquiétez pas, hein, pour ceux qui aiment le shmup, il y en aura. D'ailleurs, il y a une bonne nouvelle, hein, un petit cadeau, il y en a qui le sauront un petit peu avant, parce que je le dirai pas ailleurs, pour ceux qui ont regardé la vidéo de Tetris, vous aurez en fait complètement la vous aurez chaque jeu qui ont été présentés pour le STGT 2012, hein. Vous savez que j'avais commencé avec les deux premiers jeux. Je divague complètement, mais voilà, vous aurez les deux autres, parce qu'il y a quatre jeux qui ont occupé donc ce mois. Donc je vous rappelle, hein, ce tournoi amical organisé par shmups.com, où les joueurs vont scorer sur une semaine en fait sur un jeu qui a été choisi par la communauté, et donc j'aurai au moins deux autres replays. Alors je sais pas si ça sera forcément les meilleurs replays, mais ça me permettra de parler et bien de jeux qui auront fait ce tournoi 2012 de cette année, et donc d'être au plus près de l'événement. Et puis j'aurai d'autres petites surprises, petites vidéos qui sont prévues aussi depuis un petit peu longtemps et qui traînent, qu'il faut absolument que je fasse. Enfin voilà, donc il y aura des bonnes choses, hein. Ne vous inquiétez pas. Et puis on reviendra aussi à autre chose des fois que du Tetris, hein. Il faudrait que je trouve aussi un petit peu le temps. C'est pour ça que je pense que je décalerai un petit peu les émissions. Bon bref, allez, je reviens un petit peu après, quand même voir qui va sortir de ce repêchage. Là quand même, il y a des gens intéressants dans ce repêchage, alors que c'est monté très haut du côté de Cannes, là. Mais bon, encore ça va, hein, parce que ça fait une tour centrale, donc c'est relativement gérable. Encore, mais faut pas faire d'erreur, mais je pense que bon, il est tellement habitué à jouer plus vite, hein, qu'il a déjà préchargé 20 directions et 20 rotations de pièces avant qu'elle arrive. Voilà, c'est l'homme, hein, qui a déjà 50 coups d'avance, hein, parce que là, vu comme ça va plus lentement pour lui, il a juste à subir. Voilà, il fait vraiment, il a vraiment des constructions. Il a, ah ouais, c'est vraiment assez hallucinant de le voir. C'est un plaisir pour les yeux, parce que il a vraiment une construction des rotations de pièces relativement incroyable, hein, magnifique au déplacement, si vous avez pu voir là, donc du J là, ça a été vite, c'est fluide, ça va, on voit, hein, vraiment la vitesse d'exécution qui est impeccable, pas de miss drop, et vraiment des poses de pièces qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir, hein, qui sont relativement incroyables. Une vitesse aussi, parce que je vous dis que quand ça lâche, il va aller à fond tellement. Ouh là là, bah du coup, erreur avec la barre, et oui, parce que ça, à mon avis, alors ça, vous voyez, ça vient vraiment du fait qu'il est habitué à jouer sur TGN3, parce que du coup, on a vu, il est arrivé à deuxième, sauf qu'il fallait mettre un carré de plus pour réussir à la faire tourner, parce qu'elle est vraiment, vraiment capricieuse à gauche, hein. Je vous rappelle toujours, c'est toujours ce problème, en fait, il vous faut moins d'espace à droite qu'à gauche pour la faire tourner, et là, on l'a bien vu, il s'est fait piéger. Alors, est-ce qu'il a loqué un peu vite, ou est-ce qu'il a oublié qu'il fallait plus de temps? Alors, il s'en sort magnifiquement, hein, c'est juste ça qui est incroyable. Il a réussi à corriger ça, hein. Ça fait petite pensée pour Jago, hein, qui au Stunfest a réussi, je crois, hein, qu'il avait réussi à être grand maître, si je dis pas de bêtises, en faisant une erreur à un tiers du jeu, c'est-à-dire en justement ratant une rotation de barre qui s'est retrouvée complètement bloquée, qui lui a bloqué et obstrué son jeu. Et du coup, il a joué tout le mid-screen, c'est-à-dire qu'il a fait toute sa partie mid-screen et il a fini le jeu. C'est juste n'importe quoi, là, le niveau du joueur, hein, c'est juste, oui, toujours un plaisir de retrouver ce joueur d'ailleurs qui était, hein, les vêtements sur Rennes, et toujours, toujours aussi incroyable ce joueur sur TGM, hein, qui a fait toute la série, voilà, qui est le seul joueur français à être grand maître sur TGM 2, et qui est pas loin d'être
tout meilleur joueur européen, qui est, même, je pense qu'on peut le dire, le meilleur joueur européen, même s'il y a quand même, il y a quand même d'autres joueurs, hein, mais c'est vrai que peut-être pour avoir joué sur toutes les versions et tout, en termes de suivi de la série, c'est vraiment en tout cas du très très gros niveau. Alors, donc, allez, je regarde un petit peu, parce que c'est vrai que je ne suis pas trop ce qui se passe. Là, bon, on voit que pour SAL, hein, ça sent un peu le sapin, ça va pas, ça, à mon avis, ça va pas aller... Ah, il va rattraper, hein, mais bon, on prétend pas à finir le jeu avec une construction comme ça, monsieur, hein, je ne pense pas, c'est trop sale, hein, votre cahier est dégueulasse, il y a des taches donc partout, non, là, je suis désolé, hein, ça doit être la rentrée, on vous accepte pas, hein, vous allez revenir en retenue, là, hein, montrez-moi votre carnet de correspondance, parce que c'est inadmissible, je vais faire un mot à vos parents. Ça y est, il essaye quand même. Il a sorti son effaceur là et il essaye un petit peu de calmer le jeu, c'est le cas de le dire, et surtout de nettoyer, d'expurger toutes les caries. Et il y en a vraiment pas mal. Et donc, du coup, il va perdre pas mal de temps. Alors, qui est un petit peu en avance? Alors, je vois du 700. Ouais, ça se passe autour de 700. Ça se joue pour le moment entre Doll, alors que c'est la mort à Nico from Tokyo, qui a tenu un petit peu plus, hein, qui a fait plaisir comme il était pas loin. Il était quoi? Il était à 11 minutes. Il était à 7. Il avait fait un bon petit départ. Je ne sais pas si il aurait été grand maître, mais il avait bien tenu. Donc c'est très dommage. Il a fait une partie où, pour une fois, il n'est pas mort depuis le tout début. Enfin, pratiquement à mi-parcours. Et c'est plutôt bien. Hein, très très bonne chose qu'il ait un petit peu tenu. Qui s'améliore lui aussi. Hein. Je pense que ça doit être quand même pas évident de jouer dans ces conditions. C'est vrai que quand vous n'êtes pas fort, vous devez vous sentir pas trop à l'aise quand vous voyez les cadors qui est à côté. C'est vrai que ça va être une chance. Et vraiment. Un immense plaisir, je pense, pour lui pour jouer, mais aussi pas mal peut-être de stress. Et c'est pas évident, c'est pas toujours facile quand on a des très bons joueurs à côté de soi. Hein, et il joue à côté de 777 hein, quand même. Hein, c'est juste incroyable. Allez, donc du côté de Cal, alors toujours sa construction qui est complètement illogique, mais qui lui réussit, hein, qui est juste formidable à regarder. Mais ne faites pas ça chez vous. Hein, il y en a qui ont essayé, qui ont eu des problèmes, parce que vraiment c'est tellement une construction qui va qu'à lui, parce qu'il a vraiment des schémas de pensée, des schémas de construction assez incroyables. On voit d'ailleurs que 777 cherche moins des choses aussi compliquées. Bon, allez, en tout cas, il va continuer d'évoluer et il y arrive. Hein, et quand il canne, même s'il a fait monter une grosse pile de tétraminos là en centre, il faut qu'il fasse attention là quand même. C'est juste hein, ce qu'il nous fait. Alors que du côté de SL, c'est fini. Ouais, c'est fini. Alors, en plus, il miss drop son S là, son Z, pardon. Donc ça va vraiment pas l'aider. Allez, donc ça se joue. Alors 890, là on voit que canne est déjà juste derrière. Derrière Doll, et donc ça va être difficile, je pense, pour Doll d'arriver premier, mais peut-être il peut prétendre encore à une place. Mais il reste beaucoup de joueurs dans un mouchoir de poche, parce que on voit que Atalo est plutôt bien aussi. Si Esken est juste derrière, et 777 et Khan, ça va très vite pour eux deux, parce que vous voyez, Doll, son jeu devient moins propre là, il a plus de space pour faire des Tetris, et donc c'est pas bien bon. Alors que Markan, c'est pas forcément, oulala, c'est bizarre aussi ce qu'il fait Khan là. Il a vraiment, mais c'est assez étrange, et je pense que c'est voulu en plus, hein. On voit vraiment qu'il a une construction, ah, c'est magnifique là, il décale le haut, il arrive à placer dessous le J, c'est vraiment superbe, et tout ça c'est vraiment voulu, hein. Mais c'est juste, pour moi c'est complètement illogique ce qu'il fait, et pourtant à chaque fois ça réussit, hein. C'est vraiment pas des situations où il est en danger, il rattrape, mais du coup je pense quand même qu'il perd quelques temps à faire des Tetris, mais c'est pas très grave, parce que c'est un petit peu le cas de SSL, mais ça va être Nana qui finit devant, parce que voilà, jeu plus propre, c'est un petit peu normal, hein, aussi. Il a pu rattraper, vous voyez, il avait moins de petites choses à essayer de corriger. Et voilà, Khan qui est passé un nid du coup, et Ataro qui est passé aussi, hein, superbe, grand maître. Donc voilà, on a nos 4 joueurs, Esken aussi. Donc Khan, 777, Atalo et Esken qui se sont donc bien qualifiés. Donc cette fois-ci, eh bien, nous trouvons, donc ils se sont qualifiés pour le tour, on les retrouvera après, hein, c'est-à-dire qu'ils vont affronter, ils affronteront ceux qui vont perdre ce tour-là. Là, c'est le meilleur des poules, la crème de la crème, comme j'ai pour habitude de dire, et c'est Yu qui commence les hostilités, qui suivent de nous. Alors là, ça commence dans un mangeoir de poche, et Gano, on voit Gano, s'en est bien sorti, hein, vous voyez, des fois, hein, il suffit juste qu'il assure, et lui, il arrive à passer quelques tours, et c'est très bien, parce que vous voyez, c'est pas un joueur, c'est un bon joueur.
Alors on est d'accord, hein, c'est quand même un gros joueur. Mais pour voir que c'est pas non plus à chaque fois le favori, eh ben, il arrive à passer les tours. Et ça, c'est vraiment un bonheur parce que ça montre quand même que ce tournoi permet de faire ça. Alors là, bien sûr, il y a Corian, il y a Esquire, il y a Ko, il y a Zag, hein, mine de rien, qui s'en est bien sorti pour son premier tour. Et je pense qu'on va avoir droit à mon avis, du très très bon, parce que là, c'est quand même les meilleurs. Alors, tout n'est pas, bien sûr, fini si vous ratez ce tour. Oh là, pour You, ça va être... C'est fini pour You. C'est fini pour You. C'est dommage, et la barre, elle est arrivée juste une pièce en trop. Il avait une magnifique construction, hein, You, jusqu'ici. Mais voilà, c'est ça. Il s'est fait piéger par la distribution. Il aurait dû casser son jeu un petit peu plus en amont, hein, parce qu'il faut vraiment pas attendre. C'était pas tout à fait... En plus, son idée était pas mauvaise. Il avait essayé de créer un tout petit toit sur son jeu pour essayer de faire glisser son I. Mais voilà, c'est pas possible là, dans cette version. Hein. Ça, dans TGM3, il y aurait peut-être un coup de hold là qui serait passé, qui aurait aidé. Puis même, les rotations sont un petit peu plus souples. Donc on peut peut-être s'en sortir, mais là monsieur, vous jouez à TGM1, et TGM1, c'est raid, c'est à l'ancienne, c'est roots, ça, voilà, il a fait un choix, juste en train de regarder le, oui, Yoko, j'ai pas compris là pourquoi, oulala, là là, miss drop là du duel, il a fait, je pense qu'il a été un petit peu perturbé par ce qu'il a fait un peu avant, et du coup, il a fait une petite erreur après, juste après, parce que c'était assez bizarre, là, une pièce qu'il a posée, j'ai pas compris pourquoi il l'a mise là, et je pense que lui aussi, il a dû s'en rendre compte, mais qu'est-ce que je suis en train de faire, c'est n'importe quoi. Et donc bah du coup hop, le miss drop qui a directement suivi derrière, parce qu'on va essayer de rattraper son erreur en essayant un petit peu d'aller vite. Il a une vitesse de construction là, Zag, je suis en train de regarder, hein, ouais, on sent le mec qui dose le chirassé sur TI, hein, c'est vraiment très très fort. Ce que je vous rappelle, hein, toute la difficulté, c'est que il faut vraiment placer en amont sa pièce, hein, parce que dès qu'elle touche, elle est bloquée, hein, vous pouvez plus rien faire, et c'est le seul moyen de pas perdre de temps et de faire monter ses grades très, très vite, si vous voulez vraiment faire le plus de points, parce que les grades sont complètement dépendants dans cette version des points, hein, plus que toute autre version. Il y a d'autres facteurs après qui rentrent en ligne de compte dans les autres versions, notamment oulala, comme il a rattrapé ça, Zach, il avait fait une erreur, hein. il avait pas assez décalé son T, il a pu rattraper ça, il a laissé de l'espace, il a pas voulu le combler directement avec le L, il a préféré attendre un J qui arrivait heureusement pour lui juste après. Voilà, là, il va pouvoir récupérer une construction tranquille, en plus il a un petit peu aidé, il a des pièces qui vont bien, voilà, là, il lui faudra un L pour essayer de rattraper son pied. Magnifique, c'est ce qu'il a. Voilà, et parfait, il va pouvoir continuer tranquillement. Ah, du coup, là, ça va être un peu plus bizarre parce qu'il est obligé d'attendre la barre si elle n'y arrive pas tout de suite. Ouais, il s'en est bien. Ouais, bonne idée. Donc, il a intercalé du coup. Ouais, non, il avait raison. Voilà, comme ça, ça lui a permis de récupérer avec la barre. Et assez bien joué. Je vais voir un peu ce qui se passe du côté de Ko. Ben, il se passe pas grand chose si ce n'est un jeu magnifique, hein, je suppose. Esquire aussi, c'est beau. Je regarde là. Corian, attention un petit peu. Parce qu'il va falloir des doubles barres. Donc il a préféré directement combler à l'aide du J, ce qui est une bonne idée. Alors là, du coup, il est obligé, voilà, de faire le manche-pièce là, parce que il grignote. Hein, il peut pas faire autre chose ligne par ligne. Il est obligé. Il lutte là. Il lutte vraiment. Est-ce qu'il va s'en sortir, franchement? Oh là là, la barre qui est arrivée juste. Quand il va s'en sortir, là il a beaucoup de sang-froid, hein, parce que là, oh là, là, là il continue à monter la construction, quoi. Non mais il est fou, il est complètement fou, et il passe, et ça passe, hein, parce que c'était vraiment un danger de pas utiliser tout de suite le I qui venait d'arriver, qui allait pouvoir le faire gagner. Il veut continuer à jouer dans les hauteurs, hein. C'est juste incroyable. Regardez là aussi la prise de risque, mais maximum. Mais voilà, Corian, franchement là, chapeau de jouer avec un tel sang-froid, une telle folie. Il va pas pouvoir s'en sortir, c'est pas possible. Ah si, il a prévu la place avec point, et il a ralenti. Là, c'est cool. Ah, là, si, il s'en sort. Mais magnifique. Là, je sais pas si vous avez vu, mais là, ouais, je pense qu'il a un petit peu marre, parce que vraiment, il a joué, mais à couteau tiré, hein, toute sa construction, et c'était superbement géré. Hein. Voilà, il a pas lâché, et vraiment, voilà. Alors, du coup, il avait vraiment fait descendre sa construction, mais magnifique. Alors, pour Esquire, c'est un petit peu la même, là. Du coup, il a un petit peu trop décalé son... Il a un petit peu trop décalé son J, mais c'est bon, il s'en est bien sorti avec un L qui est un petit peu arrivé après, l'insertion du T, elle est de nouveau un J, encore un J qu'il a posé la tête en bas, elle va pouvoir utiliser, voilà, le T avec cette fameuse rotation qu'on utilise souvent, on crée ce crène là, et on fait remonter son T, c'est souvent utilisé par tous les joueurs de TGM, magnifique rotation inversée pour faire bien tomber correctement son L sur le côté, magnifique construction quand même, hein. Ça va plutôt vite, ça va plutôt bien, voilà, bon alors il faudrait un petit peu pouvoir avoir un O, ça aurait été l'idéal pour SQR, mais bon il va s'en sortir comme ça, ouais.
voilà, il va se laisser espace, il va pouvoir un petit peu mettre des pièces à gauche, voilà, il attend toujours un petit peu. Donc là, du coup, il fait son Tetris, voilà, fameux 1 haut, et il a mis du temps à arriver. Puis c'est toujours ça, hein, quand vous jouez à Tetris, on a l'impression que la pièce dont vous avez besoin, elle arrive jamais, vous voyez. Du coup, là, il a pris 2 hauts de suite, hein, à cause de l'algorithme à la con. Et alors qu'il a, il en attendait, hein, des hauts, ça faisait plusieurs tours qu'il aurait dû en avoir, alors que ça va être difficile pour Renault de s'en sortir, et c'est la fin, alors qu'il avait bien essayé de construire une tour, mais du coup, comme il a eu un T, la pièce arrive directement avec une encoche par le bas, et c'était la mort aux heureux. Voilà, cette fois-ci, Corian, il va, dites pas qu'il va s'en sortir là, Corian. Donc c'est juste n'importe quoi, magnifique ce qu'il a fait quand même, la rotation avec son T, il a pensé à faire ça, mais je vois pas comment il va s'en sortir, je vois pas, c'est pas possible. Oh, magnifique rotation aussi, le temps, il a réussi à passer ça, il va s'en sortir, mais dites pas qu'il va s'en sortir. Alors on a envie de l'aider là, qu'il a une bonne distrib, ouais, là, ça va le servir là, il a le Z, c'est ce qu'il lui faut. Là par contre il va pas avoir le choix, ah, magnifique, il choisit de monter, ah, il libère son espace de spawn, non, c'est fini, mais magnifique lutte, hein. Magnifique lutte, voilà, tout à l'heure il avait pris beaucoup de risques, et là cette fois-ci il s'en est pas sorti malheureusement, Corian, que il fera partie du deuxième tour de repêchage et qu'il fera pas partie des gens qui vont directement aller en demi-finale, et c'est un petit peu c'est un petit peu bon, une semi-surprise, hein, parce que, enfin une semi-surprise, il y a beaucoup de bons joueurs, mais c'est vrai que lui, on est tellement habitué à le voir aller loin dans les tournois, tellement il est fort, et en tout cas il nous a encore montré une superbe chose, hein, une gestion relativement incroyable. Allez, je reviens un petit peu faire le point, parce que certains joueurs ont passé le level 500, c'est Noom qui est toujours en tête avec pratiquement 600. Ça y est, il vient d'être à 600. Il est suivi donc 540. Non, il y a quelqu'un. Non, il a 577. Voilà, il est suivi de Hiyoko. Et puis très proche, Yadzag, et ensuite SQR, et enfin Co. Donc 4 joueurs vont se qualifier. Ils sont encore, si je dis pas de bêtises, ils sont encore, je sais plus compter, ils sont encore 5. Et donc, du coup, eh ben, il y a encore une place possible, hein, pour aller directement en demi-finale et ne pas passer par les repêchages. Par contre, à la demi-finale, hein, là, c'est la sortie directe, puisqu'il n'y a que 4 places, quoi qu'il arrive. Et bah vous pouvez plus vous en sortir malgré un système de repêchage multiple. Et à un moment donné, il faut bien que ça s'arrête. Et ben c'est en demi-finale. Alors, qu'est-ce que nous fait Noom là, il va falloir beaucoup de barres, hein, Noom. Alors, il choisit d'abord de la part. C'est marrant. Ouh là là, magnifique là, ce qu'il a fait. Superbe là, je l'avais pas vu cette rotation complètement faisable avec le J là, qu'il a réussi à faire remonter. Ah, c'était beau ça, hein. C'était beau parce que j'allais dire, je sais pas comment il va s'en sortir parce qu'il lui faut 2 barres, et c'est vrai que le jeu il est tellement avare en pièces. Alors des fois vous pouvez en avoir, hein, qui suivent, hein, ça arrive, mais voilà. Là il a bien utilisé aussi une multiple rotation de son L pour le mettre sur la tête, ce qui a permis de venir eh bien aplanir la surface de jeu qui est située sur sa droite, et de continuer à construire de façon plus rectiligne pour pouvoir espérer récupérer un puits à Tetris sur la droite. Et c'était vraiment bien joué de la part de Noom, hein, qui vraiment, même s'il a commencé que 18 secondes après You, eh bien il fait des très très belles choses sur son jeu, et on voit de très belles choses sur son écran. Et du côté de Zag et Yoko, bah c'est pas super, hein, au niveau de la construction, hein, on voit beaucoup de trous, c'est pas très haletant tout ça, pas très folichon, beaucoup de trous, on se croirait dans un Marc Dorcel, hein, mais est-ce que ça va les aider? Il a quand même récupéré un petit Tetris là, Zag, au centre, hein. c'est toujours assez osé quand même, hein, de faire un, comme ça, un puits central, parce que voilà, je vous dis, avec les pièces qui spawnent au milieu, c'est vraiment pas facile, alors qu'une construction du côté de Co, qui est juste comme toujours impeccable. J'ai pas été voir, hein, trop ce qu'il a fait, alors au niveau de ça, c'est la mort de Yoko lui aussi, son jeu était pas très beau, hein, son cahier était sale, il avait renverser son encrier, c'est la rentrée, hein, je vous rappelle, c'était la rentrée pour Beyond Gaming, et ben, ouais, pour ce 61e Beyond Gaming, il faut avoir son cartable, montrer patte blanche, avoir son nouveau cartable, ses livres de cours, et avoir révisé son TGM. Et pour Yoko, il n'a pas su montrer patte blanche, et eh bien c'est ça sera un passage par les repêchages, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On vous retrouvera, monsieur, mais ça sera pour un petit peu plus tard.
Alors que bah, je pense honnêtement hein, que voilà, de toute façon on a nos quatre qualifiés, mais que le vainqueur sera Ko, puisque donc ceux qui vont arriver directement en finale, bah, ça sera Noom, Zag, Ko et SQR. Bah, belle performance hein, pour Noom, on l'avait déjà vu. Hein, alors je sais plus dans lequel, hein, mais je peux vous dire en préparant ce tournoi que c'est sûr que nous l'avons, que je l'ai déjà commenté. Donc il est déjà, je veux dire, c'est pas un nouveau hein, que je commenterai. Et il s'en sort plutôt bien, et on va voir hein, ce qu'il donnera, on va voir dans les phases finales, parce qu'il se défend. Alors ce qui est étonnant, c'est qu'il n'a pas un temps non plus relativement élevé en tant que grand maître, hein, mais en tout cas, bien là, il s'en sort plutôt bien pour le moment. Alors est-ce qu'il a un temps qui est sous-estimé par rapport à ce qu'il pourrait faire? Est-ce que c'est un autre joueur d'autres versions de TGM hein, il y a fort à parier, mais en tout cas... il tient pour le moment, voilà, Dragé haute et il finit. Oui, c'est pardon, c'était lui hein, qui était en avance et pas Ko, hein, je sais pas ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'était lui, bien sûr, qui était le plus en avant. Il a commencé quand même une minute et quelques avant. Il a bien tenu son jeu. Et on voit hein, qu'il finit en 10-35. C'est juste quand même très rapide. En 10-35, ouais, c'est quand même, ça veut dire que voilà, dans un tournoi, je sais pas combien il avait été annoncé, mais il s'en sort vraiment bien. Noom, ouais, il est en 10-36 hein, donc il tourne vraiment autour de son meilleur temps, et ce qui explique aussi que bah, du coup oui, je comprends un petit peu mieux pourquoi voilà, quand je vous dis que c'est important de faire autour de son meilleur temps, bah, vu qu'il fait quasi son meilleur temps, voilà, il n'y a vraiment pas de souci hein, donc du coup ça se passe plutôt bien. Voilà, donc on a eh bien, les joueurs hein, que nous retrouverons un petit peu après dans le Beyond Gaming 61B, comme vous avez l'habitude. Nous verrons donc les phases finale cette fois-ci avec eh bien, les autres joueurs et notamment bah, Noom, et puis tous ceux qui se sont qualifiés. Et bien, si vous voulez connaître la suite de ce tournoi, et bien suivez la prochaine vidéo, la 61B. Quant à moi, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt et gaming !